Sion est une ville solution. Mettez la diapo depuis le début. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, ce serait bon que je leur fasse un rappel. Sion est donc une ville solution. Vous savez, ce monde est plein de problèmes, n'est-ce pas? Et Sion est plus que plein de solutions. Alléluia! Si tu as le choix entre vivre sans problème ou vivre avec plus de solutions que de problèmes, tu choisirais quoi? Sincèrement. C'était important que j'ajoute sincèrement, non? Tu choisirais quoi sincèrement? Vivre sans problème, n'est-ce pas? Oh, mais je dis sincèrement. Si tu as le choix entre vivre sans problème ou bien vivre avec plus de solutions que de problèmes, tu choisirais quoi? Personne ne choisirait de vivre sans problème. Certains. Vivre sans problème, c'est bien aussi. C'est pas bien? Seulement, il est écrit « à celui qui vaincra ». Vous comprenez? Au ciel, il y aura une partie de personnes qui seront là juste parce qu'ils ont été sauvés. Mais parmi ceux qui auront été sauvés, il y en aura qui auront vaincu. N'est-ce pas? Et quand on parle de victoire, cela implique quoi? Qu'il y a eu un match, n'est-ce pas? Qu'il y a eu un combat. C'est pour cela, il est plus sage de souhaiter de vivre avec plus de solutions que de problèmes. Alléluia! Dieu n'a pas changé le monde. Le monde a été déchu par la faute du premier homme. Dieu n'a pas sauvé le monde encore. Mais il a sauvé les hommes et il les a laissés dans ce monde. En prenant le plus fort et en le mettant dans la vie de ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Jésus est comme un vaccin. Alors si tu es vacciné, l'épidémie autour n'est plus un problème. C'est un problème pour les autres, sauf pour toi. Un jour, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu va réparer toutes les choses qui sont dans ce monde, qui ne sont pas dans sa volonté. Ce jour viendra, mais en attendant, nous devons savoir que nous sommes dans un monde déchu. Nous sommes dans un corps qui a été marqué par le péché. Mais notre esprit a été régénéré et cela ne pose aucun problème. Parce que peu importe le problème qui arrivera, j'ai plus que ce qu'il faut pour répondre. Alléluia. Pour réagir, pour vaincre, et pour triompher. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous la bonne odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, 14. Alors, j'ai synthétisé les problèmes de ce monde en 5 termes. Et évidemment, Dieu a une réponse pour chaque problème. La montagne de Sion est une solution divine de hauteur au problème de la bassesse humaine. C'est une solution divine d'excellence au problème de la médiocrité humaine. C'est une solution divine de perfection au problème de l'imperfection humaine. C'est une solution divine de responsabilité au problème de l'irresponsabilité humaine. Quand Adam a péché, Dieu est venu lui poser la question. Il a tout rejeté sur la femme. Il dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Autrement dit, ce n'est pas ma faute. C'est d'abord sa faute à elle, mais finalement c'est ta faute à toi. Parce que la femme était ton idée. Où est-ce que le péché fait dans la nature de l'homme?
Est-ce que vous me suivez? Dites avec moi, je refuse ça. Sion est une solution divine de stabilité à l'instabilité humaine. Et j'ai défini. Ça ne marche pas. Il faut que ça soit parfait, sinon ça ne m'aide pas. Il ne faut pas grand-chose pour me distraire. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît. La bassesse, je sais que c'est la énième fois que certaines personnes entendent ça. Mais il faut que je répète. La bassesse est le refus de s'élever au-dessus des problèmes. C'est un refus. Il y a des gens qui ne comptabilisent que des problèmes. Ils enregistrent la vie, même pas en noir et blanc, en noir et noir. Parce que si c'est en noir et blanc, il y a quand même de belles séquences. Mais nous, nous enregistrons la vie en couleur. Vous savez, il y a des gens qui n'enregistrent que le mal. Un jour, un professeur voulait enseigner quelque chose. Et c'est une histoire vraie. Généralement, le tableau est noir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il est venu avec une craie blanche. Il a mis un petit point dans un tableau noir. Il a demandé à la classe, « Que voyez-vous? » Tout le monde a dit, « Nous voyons un tableau noir. » Et quand il a insisté, les élèves ont compris que leur première réponse n'était pas suffisante. Alors les élèves ont dit, « Nous voyons un tableau noir et un petit point blanc. » Il a dit, « J'attends une autre réponse. » Et un élève qui était là, qui pensait autre chose, mais il se disait, « Mais c'est la même chose que ce que tout le monde a déjà dit. » Le prof a vu dans ses yeux qu'il avait un autre avis, comme parfois je le vois dans vos yeux. Il lui a pointé du doigt, il lui a dit, « Qu'est-ce que tu vois ?» Et puis il l'a encouragé, « Exprime ce que tu penses. » Et l'élève a dit, « Je vois un petit point blanc dans un tableau noir. » Ça fait toute la différence. En Israël, il y avait des hommes de guerre. Pendant 40 jours, ils regardaient Goliath comme un géant. 40 jours et 40 nuits. Avec leurs armes, étant aguerris à la bataille. Mais la vision qu'ils avaient de Goliath les paralysait. Il vint un jeune homme qui était frêle, qui n'est pas entraîné au combat, à la guerre. C'est pour ça que parfois, quand on a trop appris, cela devient un problème. Ce jeune homme regarde, il voit. Non, il regarde ce que tout le monde regarde. Mais il ne voit pas ce que tout le monde voit. Il regarde le même géant Goliath, mais lui, il voit un incirconcis. C'est rien que ça qui a fait la différence. La vie, parfois, se trouve dans les détails. Dans les détails. La médiocrité, c'est la décision de mal vivre. C'est une décision. Et pour changer ça, il faut changer de décision. Ce n'est même pas encore une capacité, mais c'est une décision. L'imperfection, quant à elle, est une incapacité. Je veux, mais je n'y arrive pas. C'est comme en Romains 7, Paul parle de lui et de tous les chrétiens. Il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et il ne savait pas que l'esprit en lui était en train de louer le Seigneur, malgré cette situation apparemment défaillante. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu fais le mal que tu ne veux pas faire, Dieu te dit bravo. Pas bravo à cause du mal que tu fais, mais bravo parce que maintenant tu es animé de bonne volonté.
en apparence, deux personnes ont commis la même faute. Et nous, dans le jugement humain, on va les mettre dans le même sac. Mais Dieu ne les met pas dans le même sac. Parce que celui qui fait le mal qu'il veut, Dieu ne peut rien pour lui. Mais celui qui fait le mal qu'il ne veut pas, et qui en plus veut faire le bien, mais qui n'y arrive pas, Dieu va l'aider. Pourquoi Dieu fait ça? Car c'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Éphésiens 2:8. Afin que personne ne se glorifie. Si tu arrives à faire le bien que tu veux, tu tomberas dans l'orgueil. Mais si tu veux faire le bien, mais tu n'y arrives pas, et que Dieu vient t'aider, tu seras à l'abri de l'orgueil. Et tu ne seras pas rigide envers les autres. Tu agiras avec douceur, pensant à toi-même. Sachant que si tu y arrives, c'est grâce à Dieu. Et tu seras tu auras le ministère de la réconciliation, pas le ministère de la condamnation. Alléluia. L'instabilité, c'est la capacité de changer avec les temps et les circonstances qui changent constamment. L'irresponsabilité est une mentalité qui consiste à réfléchir après avoir agi, à penser aux conséquences après avoir posé l'acte, à imputer aux autres les raisons de nos propres erreurs, de nos propres fautes, de nos propres échecs. Alléluia. Dites avec moi, je te rends grâce, Seigneur, car tu m'as donné les clés pour ma propre victoire. Et personne ne peut m'obliger d'échouer. Car ton esprit est en moi. Amen. Alors, enlevez la diapo et vous allez constamment afficher la Bible. Je vais terminer toujours dans l'idée de l'excellence et de la perfection, puisque nous avons déjà parlé de stabilité, de responsabilité et de hauteur. L'excellence, c'est Christ lui-même. D'accord? Et il a été semé en nous, planté en nous sous forme de parole. Christ, c'est Dieu qui est devenu la parole, afin de pouvoir être planté dans le cœur de celui qui croit. Et quand on reçoit Jésus, on reçoit la semence de la vie divine. On va y aller doucement. Commençons par 1 Pierre 1:23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence incorruptible, mais par quoi? Par une semence incorruptible. Quelle est cette semence incorruptible? C'est la parole vivante et quoi? Permanente de Dieu. Ouh, c'est fort ce que Pierre nous dit en peu de mots. Pierre, commençons par la fin. Pierre est en train de dire, la parole de Dieu est vivante. D'accord? Mais elle est permanente. Comment je peux imaginer ça? La parole de Dieu, c'est comme une batterie. Vous savez? Une batterie a en elle la puissance pour faire fonctionner un appareil, n'est-ce pas? Mais la batterie se décharge. Imaginez que vous ayez une batterie vivante et permanente. C'est-à-dire, c'est une batterie qui est chargée et qui se recharge au fur et à mesure que tu l'utilises.
C'est-à-dire une batterie qui se recharge au fur et à mesure que tu la décharges. Une batterie qui se remplit au fur et à mesure que tu la vides. Une batterie qui se fortifie au fur et à mesure que tu l'affaiblis. Quand tu as cette batterie en toi, tu deviens, écoutez bien le mot, autonome. Vous entendez? Vous entendez ça? Tu n'as pas besoin d'une borne pour aller te recharger. Tu n'as pas besoin d'aller te brancher à une prise, à un secteur pour te recharger. Mais le problème, c'est que nous devons comprendre comment cette batterie se recharge en nous-mêmes. Et je suis là pour ça. C'est pour cela qu'il dit que la parole est une semence incorruptible. La corruption ne peut pas l'atteindre. La faiblesse ne peut pas l'atteindre. L'usure ne peut pas l'atteindre. Et quand elle est semée en quelqu'un, dans le cœur de celui qui croit, cette personne est... On ne parle pas d'être changé ici. On pourrait dire transformé, c'est déjà mieux, mais ce n'est pas suffisant. Pierre a pesé les mots et il dit « régénérer ». Ça veut dire « générer de nouveau ». Vous comprenez? Quelque chose qui a arrêté, tu le régénères de nouveau. Il y a des médecins ici? Quand vous êtes dans les soins intensifs, ou bien ceux qui ont fait du secourisme, vous savez qu'il est capable, dans les quelques secondes qui suivent un arrêt cardiaque, il est possible de faire redémarrer le cœur qui s'est arrêté, en sachant toucher d'une certaine façon et appliquer un certain massage cardiaque, ou bien en insufflant dans ses narines d'une certaine façon. Ces quelques secondes après l'arrêt cardiaque sont cruciales. Si vous ne faites pas ce geste, la personne meurt alors qu'elle aurait pu être ranimée. Vous rendez-vous compte qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans l'éternité alors qu'ils auraient pu être sauvés par un geste. Parce qu'un réanimateur n'est pas passé par là. Ils auraient pu être régénérer, redémarrer, alléluia, redémarrer. Mais ça, c'est encore une manière faible de dire ces choses. Parce que, en fait, le péché fait que nous sommes morts, bien qu'étant vivants. Et quand cette semence vient en toi, elle redémarre le moteur. La vie spirituelle, la vie réelle, la vie véritable. Mais comment est-ce qu'elle s'y prend? C'est en nous régénérant, c'est-à-dire en nous donnant de nouveaux gènes. Régénérer. Donner des nouveaux gènes. Gloire à Dieu parce que mes parents sont là. Mais vous savez, si Jésus ne revient pas, je mourrai un jour. Parce que les gènes que Dieu a utilisés pour m'amener à l'existence sur le plan naturel, sont des gènes corruptibles, des gènes mortels. Ça fait qu'un jour, je mourrai forcément à cause des gènes qui portent ma vie naturelle. Mais la semence incorruptible vient nous donner d'autres gènes, les gènes d'un autre Père qui est le Dieu immortel. C'est pour ça qu'en croyant en Jésus, en recevant la parole, tu vivras éternellement au ciel, dans sa présence. Mais savez-vous que ceux qui ne croiront pas en Jésus vivront éternellement en enfer? Ils seront vraiment vivants, mais morts.
parce que t'es séparé de Dieu, qui est l'unique source de vie. Alléluia. Mais là où la perfection nous instruit, c'est qu'elle nous enseigne que la vie éternelle, ce n'est pas la vie dans l'éternité. C'est une vie qui commence dès maintenant et qui ne s'arrête pas et qui continue dans l'éternité. Alléluia. Je ris parce que je vois ce que vos vies vont produire à cause de la semence qui est semée en vous. Vous avez un petit carré de terre, deux mêmes petits carrés de terre. À gauche, nous avons un hectare où on n'a rien planté. À droite, nous avons aussi un même hectare où on a planté quelque chose. Revenez quelque temps plus tard. Le carré de droite prendra de la valeur. Parce qu'il y a du fruit. Le carré de gauche perdra de la valeur parce qu'il y a des herbes. Ce qui est étrange, c'est que la semence incorruptible n'attend pas d'être semée. Elle pousse elle-même. Mais la semence incorruptible, elle ne pousse pas elle-même. C'est pour ça que tu es sage de t'asseoir et d'écouter. C'est pour ça que le ministère de l'enseignement est un ministère le plus important dans l'Église. Parce que chacun doit comprendre qui est Christ. C'est quoi l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile enseigne vraiment? Qui sommes-nous selon Dieu? Parce que la parole qui nous a transformés, c'est elle qui est la vérité. Ce qu'elle dit de nous est la stricte vérité. Le reste n'est pas vrai. C'est elle qui nous permet de vivre dans la vérité et non dans l'illusion ou dans le mensonge ou dans l'ignorance. Vous me suivez? Alors Christ est une graine et l'unique graine d'excellence qui, lorsqu'elle est plantée en nous, elle germe en nous et de plus en plus qu'elle se manifeste, de plus en plus nous devenons parfaits. C'est comme ça que ça fonctionne. Et une parole forte que l'Esprit m'a dite en méditant les Écritures, l'Esprit m'a dit, savez-vous que selon Dieu, Christ est le minimum? Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera ce que je fais. Il en fera quoi? De plus grand. Il est la graine qui était semée en nous. Il veut que nous la laissions germer et qui va produire plus que ce qu'est la graine. Mais n'oublie pas, tout ce que nous allons produire, c'est à cause de la graine. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes au-dessus de lui. Mais je suis en train de dire qu'il a choisi de devenir notre minimum. Pourquoi Jésus fait ça? Quelqu'un a une idée? Pourquoi Jésus fait ça? Parce que Jésus connaît les principes du royaume. Dans le royaume des cieux, c'est le serviteur de tous qui est le plus grand. Les premiers seront les et les derniers seront les. Allons dans Hébreux. Hébreux 7, verset 25.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver comment? Il peut sauver comment? Ceux qui s'approchent de Dieu, comment? Étant toujours, pour faire quoi? Pourquoi? Toujours vivant. Il n'y a pas un meilleur intercesseur que lui. Moïse a intercédé pour Israël, il est mort. Aaron a intercédé pour Israël, il est mort. Samuel a intercédé pour Israël, il est mort. C'est ça le problème. Mais Jésus est l'intercesseur qui est toujours vivant. Là, écoutez, écoutez. Il dit, c'est pour ça qu'il peut sauver comment? Comment? Vous m'entendez en haut? Il peut sauver comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les autres peuvent sauver aussi. Mais ils ne peuvent sauver que partiellement. Depuis que j'ai découvert ça, tous les hommes ont disparu à mes yeux. Je suis passionné de Jésus. Sauvé parfaitement. Cela veut dire que le salut peut être partiel. Point d'interrogation. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. On est dans Hébreux, n'est-ce pas? Continuons, chapitre 10, verset 38. Chapitre 10, verset 38. Vous êtes avec moi? Et mon juste vivra comment? Par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour quoi? Pour sauver quoi? Leur âme. La nouvelle naissance est un salut total, complet, mais en esprit. C'est un fait définitif. C'est cela l'excellence. Nous le verrons. Quand tu reçois Jésus, tu es spirituellement excellent devant Dieu. Spirituellement. Mais nous sommes encore sur terre. Nous sommes en relation les uns avec les autres, n'est-ce pas? Nous avons un programme à remplir parce que si tu ne sais pas, tu as été envoyé sur terre avec un cahier des charges précis. Nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a créées quand? D'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Si Dieu n'avait pas un cahier des charges pour toi, tu n'existerais pas. Le fait que tu existes est la preuve qu'il avait une volonté pour ta vie. Et on y entre en s'attachant à Christ. Et durant notre passage sur terre, nous devons progresser dans la manière de vivre pour Dieu et dans les choses que nous sommes appelés à faire pour sa gloire. Mais, en esprit, nous sommes parfaitement comme Jésus. Nos noms sont inscrits dans les cieux, mais sur la terre, nous sommes appelés à progresser. C'est ce que la Bible appelle le salut des âmes. Et ça se passe comment? Par le même processus que le salut de l'esprit, par la foi. Regardez. 1 Corinthiens 1:21. Affiche 1 Corinthiens 1:21 pour tout le monde. Je vais vous montrer la différence entre la prédication et l'enseignement. Il dit, il a plu à l'Éternel de sauver les hommes par quoi? De sauver les croyants par quoi? La folie de la prédication. C'est vraiment une folie. Quelqu'un dit, Jésus est mort pour les péchés de toute l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quelqu'un croit ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois, tu seras sauvé. Homme frère, que devons-nous faire? Croyez simplement. Comment?
Croyez dans vos cœurs que Jésus est Seigneur, confessez-le de vos bouches, et vous le faites, Dieu dit, à juger. Spirituellement, tu as reçu l'excellence de Christ, la vie de Dieu. Mais nous avons des chrétiens qui mentent encore, qui volent encore, qui sont encore impatients, qui sont égoïstes, n'est-ce pas? Il lui manque maintenant l'enseignement. Parce que le salut de l'esprit est spontané. Mais le salut de l'âme est un processus. L'excellence est spontanée. La perfection est un processus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est ce que Hébreux nous dit. Paul traduit la même réalité en d'autres termes en Romains 12. Verset 1er, il parle du renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et, et parfait. Renouvellement de l'intelligence. Et aux Galates, il dit la même chose. Galates chapitre 3, à partir du verset 29e, il dit, si tu es à Christ, tu es héritier de Dieu, fils d'Abraham. Mais au chapitre 4, au partir du premier verset, il dit, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais il est placé sous les tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Les tuteurs le forment. C'est lui l'héritier, hein? Mais son immaturité fait qu'il n'y a aucune différence entre lui et les esclaves. Donc il faut l'enseignement. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, l'Église n'est pas dans sa gloire parce que le peuple n'aime pas l'enseignement. Le peuple préfère la prédication. La prédication nous donne les miettes qui tombent de la table du Père. Mais l'enseignement nous fait asseoir à la table avec lui. Alléluia! C'est pour ça qu'il faut travailler à son salut. Vous avez entendu ça, non? Il y a une épître qui dit ça. Travailler à son salut. Je dis, comment ça? Je pensais que c'était l'œuvre de Christ. Il dit, oui, oui. En ce qui concerne le salut de l'esprit, c'est mon œuvre à 1000%. Mais en ce qui concerne le salut de ton âme, nous sommes partenaires. Toi et moi, nous devons retrousser le manche pour ton salut, pour sauver ton âme à toi. Vous m'entendez? Écoutez-moi, si ça dépendait de moi, je prêcherais. Si ça dépendait que de moi, je prêcherais. Parce que c'est plus facile. Et ça suscite des meilleures réactions du peuple. N'est-ce pas? Mais ça ne dépend pas de moi. Je ne fais pas ce que je veux. Dis mon fils. Écoute l'instruction de ton Père. Question. Pourquoi est-ce que David a choisi Salomon comme héritier? Qu'est-ce qui l'a motivé? Écoute-moi, tu seras un jour en position de placer quelqu'un comme ton héritier, familialement, professionnellement, tu devras nécessairement choisir un remplaçant. Quel sera le critère? Quand vous lisez 2 Samuel, vous ne le voyez pas. Dieu n'a pas dit à David que ce serait Salomon qui construirait le temple. Il lui a dit que c'est ton fils qui construirait. Mais David avait beaucoup de fils. Ah, Absalom a été déclassé, pourquoi? Oui, nous savons ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Amnon a été déclassé, pourquoi? Oui, nous savons ce qu'il a fait. Mais il y en avait d'autres, plein d'autres.
Et Salomon n'était pas le plus courageux d'ailleurs. Il faut du courage pour être roi. Pas vrai? Tu ne trouves pas d'explication dans 2 Samuel. Jusqu'à ce que tu ouvres le livre de Proverbes et que tu vois ce que cet enfant rapporte de ce qu'il a appris de son père. David parlait à tous ses fils, mais un seul accordait vraiment 1000% d'intérêt. Sinon, tu vas prendre des décisions charnelles. Tu vas choisir celui qui te fait le plus de cadeaux. Celui qui t'appelle vieux père, vieux père, vieux père. Alors que c'est un flatteur. Dépasse ça. Qu'est-ce qu'il fait de tes paroles? Qu'est-ce qu'il fait de ton enseignement? Quel intérêt il accorde à ce qui a le plus d'intérêt pour toi? Quel est son engagement envers ta vision? Son implication dans ta vision? Le salut pour sauver nos âmes. Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21. Que nous dit Jacques? Jacques dit ceci. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, quoi? Qui a été planté en vous et qui peut? Aux âmes. Ah ouais, vous savez que la parole c'est Jésus. Jésus est la parole. La première fois qu'il a été planté en nous, il sauve nos esprits. Mais attention, pourquoi il ne nous a pas envoyé au ciel? Parce que nous avons des choses à faire sur terre en son nom. Toujours avec sa parole. Alléluia. Toujours, toujours, toujours avec sa parole. Toujours avec sa parole. Toujours avec Jésus, qui est cette semence incorruptible. Toujours avec lui, qui est la parole de vérité. Toujours avec lui, qui est cette semence vivante, cette parole vivante et permanente. N'oubliez jamais l'image de la batterie qui se recharge pendant qu'on la décharge. Qu'est-ce qui se passe lorsque Christ vient dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Romains 5:1. Romains 5:1. Je vais vous montrer la qualité de notre esprit, de cette nature, parce que l'excellence, c'est la supériorité de notre qualité à cause de la nature. Romains 5, 1 dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? La paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus. Quand on reçoit Jésus, on devient en paix avec Dieu. Donc je peux me lever et confesser, Christ, ma paix avec Dieu. Christ, ma paix avec Dieu. Christ, ma paix avec Dieu. Et Philippiens 4, 7 dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Il n'y a aucune raison naturel de l'expliquer. Parce que Jésus lui-même a dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde vous donne. C'est sa paix qu'il nous donne pour que nous soyons en paix avec Dieu. Pas seulement pour que nous soyons en paix avec Dieu, mais pour que nous devenions ses ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, 20.
ayant reçu le ministère de la réconciliation, pour réconcilier les hommes avec Dieu. C'est extraordinaire. Alléluia. Donc, Christ est ma paix. Et parce que je suis en paix avec Dieu, je me tiens sur terre dans une position d'ambassadeur. Je représente le ciel sur la terre. Et je dis aux hommes, je sais comment faire en sorte que vous soyez réconciliés avec Dieu, que vous redeveniez de nouveau des amis, que vous soyez conciliés de nouveau alors que vous avez été séparés. Je sais comment faire. Sais-tu comment faire? Est-ce que tu sais comment faire? C'est très simple, en témoignant l'évangile. Tout le monde ici sait comment faire. C'est ça qui te donne un pouvoir d'agir comme un ambassadeur sur terre. On n'est pas ambassadeur pour avoir une plaque diplomatique. On n'est pas ambassadeur pour avoir des vestes et rouler dans les Mercedes. Parce qu'on peut avoir tout ça sans être capable de réconcilier les gens avec Dieu. On est ambassadeur pour montrer aux hommes qu'ils peuvent redevenir amis de Dieu, enfants de Dieu. Comment? En prêchant l'évangile. Alléluia! Il y a plein d'ambassadeurs au chômage ici. Au chômage, la lettre de créance, ils l'ont. Mais l'office, ils ne l'ont pas. La fonction, ils ne l'ont pas. Dans la fonction publique, il est compté parmi les diplomates. Mais il n'a aucune affectation. C'est un ambassadeur qui vit dans la capitale du pays. Un vrai ambassadeur ne vit pas dans son pays. Pas vrai? Il vit où? À l'étranger. Hein? Est-ce que je vous parle? Maintenant, dans le royaume des cieux, Dieu a déjà signé la lettre de créance. Affecte-toi toi-même. Décide le pays où tu vas aller. C'est-à-dire, décide la vie que tu vas impacter avec l'évangile. Tu es au chômage par ta propre faute. De Corinthiens 5, 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, quoi? Justice de Dieu. Donc, Christ est ma justice devant Dieu. Ma nature de justice. D'abord, Christ était ma paix, n'est-ce pas? Christ est ma nature de justice devant Dieu. De Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez comment? Christ est ma richesse du point de vue de Dieu. C'est important ce que j'ajoute. Vous comprenez? Christ est ma richesse du point de vue de Dieu. Les yeux de Dieu te regardent comme la personne la plus riche sur terre. Ça, c'est le point de vue du ciel. Qui est la vérité? Et quand ton intelligence est remplie par ces choses, elle se renouvelle. Ta mentalité change. Tu commences à quitter l'enfance et tu grandis. Et en grandissant, tu te développes. En te développant, tu deviens parfait. Alléluia. Et le verset pour moi qui synthétise de manière la plus forte ce que Christ a fait pour nous, c'est 1 Corinthiens 1:30. La plupart d'entre vous savez ces choses, mais je dois les répéter. 1 Corinthiens 1:30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. Quoi? Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Pour Dieu, Christ est devenu ma sagesse, ma justice, ma sainteté et ma valeur.
parce qu'il m'a racheté au prix de son sang. Regardez quelqu'un, prenez quelqu'un, d'accord, qui est sage, selon Dieu, qui est juste, selon Dieu, n'est-ce pas? Qui est saint, selon Dieu, et qui a la plus grande valeur, selon Dieu. Il est tout ça en même temps. Est-ce qu'il peut être moins qu'excellent? Est-ce qu'il peut être moins que parfait? Il faut d'abord savoir ça. Deuxièmement, croire et prier pour que le Saint-Esprit te donne la révélation de ces choses et qui transforme ta vie sur la base de ta foi. Quelqu'un reçoit ça? Quand je lis la Bible comme ça, je suis fâché contre moi-même. Et puis je commence à me parler à moi-même. Je dis, mais pourquoi tu es comme ça encore? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'accuses personne, hein? Tu dis, mais qu'est-ce qui manque chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ou bien c'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi il y a quelque chose qui manque? Alors nous allons passer à un autre chapitre. Matthieu chapitre 5. Verset 48. Seigneur, fortifie ton peuple pour qu'il reçoive l'enseignement de ta parole et qu'il y croie afin de sauver leur âme. Matthieu 5, 48. Lisez avec moi au 3. 1, 2, 3. Lisez encore. Soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Lisez encore. Soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Maintenant, lis-le pour toi-même. Dis-le pour toi-même. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Ça commence à changer. Qu'est-ce que tu as dit? Si tu dis « Sois donc parfait », tu parles à qui? Tu dois dire « Je dois donc être parfait comme mon Père Céleste est parfait. » Je dois donc être parfait comme mon Père Céleste est parfait. Je dois donc être parfait comme mon Père Céleste est parfait. Maintenant, qu'est-ce que vous comprenez? En fait, qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Je veux que quelqu'un me dise quelque chose. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Ce genre de propos peut être appelé comment? Hein? Le mot est en train de sortir. C'est quoi? C'est un ordre, n'est-ce pas? Un ordre est un commandement. Ce n'est pas une supplication. Savez-vous que le chef de la Nouvelle Alliance a aussi des commandements? Est-ce que vous le savez? Quel est l'ordre qu'il nous donne? C'est quoi? D'être parfait comme notre Père, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'on peut l'être, n'est-ce pas? Si je te regarde et je te dis... Soulève-moi ce fût de 2 tonnes. Est-ce que je suis intelligent? Hein? Est-ce que je suis normal? Bon, à moins qu'on te donne la potion magique d'Obélix. Je ne suis pas intelligent. Mais si j'insiste, ça veut dire que je sais que tu peux le faire.
N'est-ce pas? Ça, c'est la première chose que j'entends quand je lis ça. Et je dis, Seigneur, pourquoi? Il dit, mais je ne t'ai pas simplement dit d'être parfait. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai dit quoi? Sois comme qui? Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu as la nature de ton Père. Regarde. Oh Dieu, aide-moi. Comment je vais imaginer? Regardez. Regardez-moi. Quand Dieu envoie Samuel oindre David, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai trouvé un homme, David, n'est-ce pas? Qui? Fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, et qui accomplira toutes mes volontés. Qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Vous avez déjà oublié. Qu'est-ce qu'il lui a dit? J'ai trouvé un homme. En plus, il dit David, n'est-ce pas? Fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Écoutez-moi. Quand Samuel est dans la maison d'Isaïe, et qu'Isaïe dit, voici Eliab. Pourquoi Samuel se dit, cette fois-ci, c'est loin de Dieu? Je vous parle, s'il vous plaît. Je vous parle. Parce qu'on idéalise tellement ces gens-là. Et ils voilent un peu la gloire de Christ. Lorsque vous lisez Actes 13, est-ce que vous sentez ce que je suis en train de vous dire? Lorsque vous lisez Actes 13, Dieu a parlé clairement. Il a donné l'adresse, le nom du papa et le nom du fils. J'aurais été Samuel, qu'est-ce que je ferais? J'entrerais chez Isaïe, je lui dirais, où est David? Pas vrai? Mais comment se fait-il que Samuel ne cherche pas David à cause de sa manière d'entendre la parole de Dieu? Il se dit, David doit forcément être baraqué. Il doit forcément avoir tel standard, tel diplôme, telle capacité. À force de réfléchir à la manière des hommes, la parole a perdu sa force. Il a retenu tout sauf le prénom. Et comprenez ma souffrance, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Pourquoi je reste là? C'est le cinquième serment de la montagne aussi. Pourquoi je ne passe pas? Parce que quand je quitte ici, je sais que vous avez saisi 18%. Dites-moi, qui peut passer des classes avec 3 sur 20 de moyenne? Même les hommes n'acceptent pas ça. Pourquoi voulez-vous que Dieu... Vous entendez? Pardonnez-moi, mais ça va chauffer. Tant que le curseur ne va pas monter, je ne passerai pas. S'il faut que ce soit le dernier serment de ma vie, je préférerais avoir tout dit d'un seul sujet que de n'avoir pas dit grand-chose de tous les sujets. Regarde, si tu as 2 dans un cours, 4 dans un autre, 6 dans un autre, je pars sur 20, est-ce que tu passeras de classe? Mais si tu as 2 ici, 18 là-bas, ça fait la moyenne. Donc quand tu as une matière, prends-la à fond. Vous entendez? Samuel a oublié le nom de David. Maintenant, allons plus loin. Dieu dit, j'ai trouvé qui? David, fils d'Isaïe. Qui? Homme, mes amis. Homme, n'est-ce pas? Et quand David vient, c'est un enfant. Il a 17 ans. Écoutez-moi. En Israël, on devenait homme à l'âge de 30 ans. Et Dieu est tellement intègre
que Jésus ne pouvait pas commencer avant 30 ans. Il n'avait pas la majorité, il n'avait pas le droit de s'émanciper de ses parents. Quand Jésus est en train d'appeler sa femme, sa mère, pardon, il ne pouvait pas se marier. Quand Jésus dit, pour son premier miracle, quand il dit à Marie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Qui ? Maman ? Pourquoi il dit femme ? Il est en train de dire à sa mère, « Maman, les temps ont changé. Ne me traite plus comme un enfant. Je suis majeur maintenant. Je suis adulte. Maman s'est rangée. » Mais elle a quand même dit, « Faites ce qu'il vous dira. » Autrement dit, cette fois-ci, ce ne sera pas ma volonté, mais la sienne. Si tu comprends ça, tu sais que tu n'as pas besoin de passer par Marie pour que Jésus fasse ce que tu veux. Parce que la réponse qu'il va te donner, c'est la même qu'il avait donnée à Marie. Et l'huile tombe sur David à 17 ans. Il ne pouvait pas monter sur le trône avant ses 30 ans. Allez lire la Bible. La première fois qu'il a été reconnu roi sur deux tribus, il avait 30 ans. 13 ans d'errance. Mais réfléchissons. Pourquoi Dieu peut te oindre quand tu es un enfant, alors que tu n'as pas encore l'âge de régner? C'est très simple. La première onction, c'est son choix. Mais après, il faut t'entraîner, il faut travailler. Mes amis, depuis que tu as reçu Christ, comment est-ce que tu t'es entraîné dans la vie chrétienne? Et je veux terminer par là. Je suis qu'au premier paragraphe de mon message. Combien de temps tu consacres à ton entraînement? Vous entendez? À ton entraînement à la vie chrétienne. Combien de temps tu accordes à ce cours pour réussir à la fin d'année? Dans la vie de tous les jours. Combien de temps? C'est comme ça dans le naturel parce que ça vient de l'invisible. 1 Timothée 4, 8. Les sages paroles d'un père à un fils, de Paul à Timothée. Il dit quoi? Exerce-toi à la piété. Arrête-nous là, arrêtons-nous là. Exerce-toi à la piété. Dites avec moi, exerce-toi à la piété. Dites avec moi, Dieu veut que je m'exerce à la piété. Dieu veut que je m'exerce à la piété. Dieu veut que je m'exerce à la piété. Moi aussi je le veux. Amen. Où est-ce que se trouve ce même mot, la piété? D'accord? Dieu veut que je m'exerce à la piété. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous, faut pas d'abord le dictionnaire. 2 Pierre, chapitre 1. Bon, vous en faites pas, je suis en train de conclure. 2 Pierre, chapitre 1. Et à la fac, surtout le cours, le dernier cours du soir est un peu difficile. Parce qu'on est fatigué, mais on doit réagir, n'est-ce pas? Alléluia. 2 Pierre chapitre 1 verset 3, il dit, comme sa divine puissance nous donnera tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comme sa divine puissance nous donnera tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quoi? Donc j'ai mal lu? Je vais bien lire maintenant. Comme sa divine puissance nous a donné une partie de ce qui contribue à la vie et à la piété. Hein? Tout, hein? Au passé. Ça veut dire quoi? Que nous avons déjà reçu tout ce qu'il faut pour la vie et la piété.
Ah bon? Pourquoi? Parce que Christ a été semé en toi. Tout est en lui. Et il est tout. Et il est en moi. N'est-ce pas? Continuons. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez quoi? Participant de la nature divine soulignée, en fuyant la corruption qui existe où? En toi? En toi? Non. Mais dans le monde, par la convoitise. À cause de cela même, faites quoi? Faites quoi? Pour faire quoi? Voilà, et la liste est longue, and so on. Il ne dit pas que faites tous vos efforts pour avoir la foi. La foi, c'est sa responsabilité, c'est un don de Dieu. Mais une fois que nous avons reçu cette foi, nous avons des efforts à faire. Dites avec moi, j'ai des efforts à faire. Pour ajouter à cette foi. Vous comprenez ça? Alors revenons dans le conseil de Paul à Timothée et on va s'arrêter là. Et on continuera mercredi. Il dit, exerce-toi à la piété. Exerce-toi. Fais comme un athlète. Entraîne-toi. Et dans la suite, il dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Samuel n'est pas là. Il dit, va dans la salle de gym. Commence par deux pompes. Et c'est dur. Il dit, c'est pas grave. Le coach sportif, il te dit, il regarde d'abord ton minimum. C'est deux pompes. Alors tous les jours, il te dit, fais deux pompes. Deux pompes. Après, deux pompes deviennent faciles. N'est-ce pas? Il dit, fais maintenant cinq. C'est dur. La force d'insister, cinq pompes deviennent faciles. Après 20, après 100. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Va au gymnase, regarde les coachs sportifs, regarde comment ils fonctionnent. Vous voyez quelqu'un qui au début n'était pas capable, mais à force de pratiquer, il est devenu capable. Et à force de pratiquer, il est devenu baraqué. Il est tellement baraqué qu'il ne porte que des serre-corps. Il a des tableaux de chocolat. Force de faire des abdos. Il cherche la première occasion pour être torse nu. Et Paul, et Timothée a compris ça. Timothée a compris ce que Paul était en train de dire. Et Paul est en train de lui dire, ça, c'est utile à peu de choses. Il n'est pas en train de dire que c'est inutile. Mais il est en train de dire qu'il y a quelque chose qui part du même principe, mais qui donne une plus grande utilité. C'est la gymnastique spirituelle. Son esprit s'est ouvert. C'est sa manière de dire Amen. Parce qu'Amen, c'est en hébreu. Et chacun a son langage. Et dit, maintenant, exerce-toi à la piété. Il dit, ah, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? La piété est quelque chose qui se développe par l'exercice.
Au début, je me limite seulement à deux pompes spirituelles. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas un champion. Ça ne veut pas dire que mes muscles spirituels sont condamnés. Ça ne veut pas dire que mes tablettes de chocolat spirituelles sont condamnées. Vous m'entendez? Heidi, exerce-toi. Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Timothée, travaille à ta foi, travaille à ton salut. Timothée dit, Papa Paul, j'ai compris ce que tu as dit, mais le mot que tu utilises est difficile pour moi. Et Paul dit, quel mot? Il dit le mot piété. C'est quoi la piété? Il y a eu un homme pieux dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il s'appelle Zacharie. N'est-ce pas? Vous le connaissez? Le papa de Jean-Baptiste. Irréprochable selon la loi. N'est-ce pas? Mais quand l'ange est venu lui dire la parole de Dieu, il n'a pas cru. On ne parle pas d'une piété morale. Vous m'entendez? Parce que quelqu'un peut être pieux moralement et être vraiment incrédule. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne vole pas. Mais il ne croit pas non plus aussi. Tout n'est pas pour lui. Vous comprenez? Paul, la piété des chrétiens n'est pas la piété de Moïse. Regardez les hommes pieux d'Israël, les pharisiens, les sadducéens. Ils étaient incapables de reconnaître Jésus. Regardez l'homme pieux appelé le jeune homme riche, incapable de tout vendre pour suivre Jésus. Incapable. Parce que quelque part, leur piété morale les rend orgueilleux. Dieu ne peut rien faire avec eux. Est-ce que vous êtes avec moi encore? Ne vous affaîtes pas, j'ai fini. Alors, mais c'est quoi cette piété dont Paul parle? Je vais dans ce mot, il parle de l'attachement à Dieu. Ça veut dire quoi l'attachement à Dieu? Et on prend Dieu, on le met ici, on me met moi aussi et puis on nous attache. Mais l'idée de cette piété a toujours été dans la Bible. Dieu a vu ça dans le cœur de David, il dit « Homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Homme selon mon cœur, c'est-à-dire homme dont le cœur s'incline aux choses qui m'attirent moi, qui m'intéressent moi. Et cette idée est dans Romains 8 où il dit « Affectionnez-vous aux choses de l'esprit. » Parce que l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit. Tu sais, quand tu as de l'affection pour quelqu'un, tu es attiré par sa présence. Tu aimes sa compagnie et tu aimes ce qu'il aime. C'est ça l'attachement à Dieu. Mais les anglophones, ils en parlent mieux. Ils appellent ça godliness. Il y a une version NIV. J'étais choqué ce matin quand je suis allé consulter. NIV dit train yourself to be godly. Il est en train de dire entraîne-toi toi-même à être comme Dieu. Waouh! Donc j'ai le pouvoir de m'entraîner moi pour être comme Dieu. Comment je vais faire? Il dit mais cette idée-là, elle vient d'où? Je dis Seigneur, elle vient de la parole. Quelle parole? Seigneur 1 Timothée 4:8. Seigneur, réponds-moi vite, n'ajoute pas de questions. Il dit oui, tu crois que c'est la parole? Je dis oui. Il dit va dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. N'est-ce pas? C'est faux. Affiche ça, Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Avec d'abord, puis comme lui. C'est pour ça que Semeur a raison de parler de l'attachement à Dieu. Il dit,
Entraîne-toi toi-même à aller là où Dieu aimerait aller, à dire ce que Dieu aimerait dire, à penser ce que Dieu aimerait penser, à faire ce que Dieu aimerait faire. Entraîne-toi à aimer ce que Dieu aurait aimé. Entraîne-toi à vivre comme Dieu. Entraîne-toi dans le style de vie de Dieu. Impose-toi les habitudes et les coutumes de Dieu. Entraîne-toi, c'est-à-dire oblige-toi, mets-toi toi-même des limites pour ne pas sortir du cadre des choses que Dieu aime, des choses que Dieu apprécie, des choses que Dieu pratique. Entraîne-toi. Tu m'entends? Entraîne-toi et tu seras surpris des muscles spirituels qui vont se développer. Comment tu vas développer l'homme intérieur? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand j'étais jeune, on avait un collègue de classe qui était long, long et mince. Et grandissait tellement sans grossir qu'il s'est courbé. Et il s'est tellement courbé qu'on l'a nommé le bossu. Il était comme ça. On l'appelait le bossu. Pendant 2 ans, vous connaissez les adolescents, non? On s'est moqué de lui. Son prénom était devenu le bossu. Mon Dieu! Pendant les grandes vacances, il est allé au gymnase. Pendant 3 mois, il a compensé ses lacunes. À la rentrée scolaire, maintenant, il était là. Qui va oser l'appeler le bossu? Ah. Vous savez quoi? Il n'a pas ajouté des muscles. Il n'a pas emprunté les muscles. Il a développé les muscles qu'il avait déjà. Mon ami, viens mercredi. Je veux te montrer comment développer l'homme spirituel. Levez-vous avec moi. Ça va nous prendre 2 minutes. Nous allons, tu vas rendre grâce à Dieu avec tes propres mots. Affichez-nous 1 Corinthiens 1:30. Et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour Christ, qui est ta sagesse. Pour Christ, qui est ta nature de justice. Pour Christ, qui est ta sainteté. Pour Christ, qui est ta valeur. Parce que la rédemption, c'est le rachat. Et si tu as racheté au prix de son sang, c'est que Dieu voit que tu as la même valeur que lui. Alors, avec tes propres mots, rends grâce à Dieu. Juste pendant 1 minute. Avec tes propres mots, rends grâce à Dieu.